Alors, bienvenue surtout aux nouveaux, puisque parmi nous il y a des personnes qui m'ont déjà entendu. Donc, bienvenue à cette catéchèse qui normalement se déroulera tout au long de l'année sur l'ensemble des grands épisodes de la vie du peuple élu. Depuis ses origines, donc depuis ses origines en Adam, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. C'est pourquoi je commence par un panorama théologique de l'Ancien Testament. Non pas un panorama historique, je présuppose que vous connaissez l'histoire sainte, mais un panorama théologique qui sert de cadre général à la réflexion qu'ensuite on mènera sur chacun des épisodes de l'Ancien Testament. On réfléchira du point de vue historique, du point de vue théologique et évidemment tout ça afin de grandir en foi. Parce que quel est le but d'une catéchèse ? C'est simplement de réaliser des actes de foi théologale, c'est-à-dire divins, des actes de foi par lesquels nous nous unissons dans l'émerveillement à l'action de Dieu dans l'histoire. Puisque la révélation de Dieu est historique. La religion ne consiste pas en un système philosophique éternel. Il ne s'agit pas de faire de la métaphysique, même si ce que Dieu réalise dans l'histoire va révéler quelque chose de la constitution métaphysique du réel. En sorte qu'on peut faire des développements métaphysiques, entre guillemets, éternels, c'est-à-dire anhistoriques. Mais Dieu, lui, n'a pas procédé ainsi. Il n'a pas révélé un livre qui serait un traité anhistorique sur le monde, sur lui-même et sur son projet à l'égard de l'homme et de la création. Bref, il n'a pas écrit une somme théologique. Ça, c'est le travail des théologiens, de tirer de l'histoire ce qui transcende l'histoire. Non, Dieu a agi dans l'histoire et par conséquent, il nous revient de faire un double acte de foi théologale. Un acte à la fois historique et à la fois transhistorique. Et c'est pourquoi s'intéresser à l'histoire peut paraître secondaire et inutile et sans doute contient des aspects transitoires et sans grande importance, mais néanmoins appartient à l'acte proprement dit de foi théologale. Donc à travers cette catéchèse, on va aborder des questions entre guillemets qui ne nous intéressent pas, parce qu'elles sont des questions qui portent sur des époques qui nous sont très éloignées. Mais parce que Dieu a agi à ces époques-là, elles nous concernent du point de vue de la foi. Alors la foi, évidemment, c'est un acte spirituel qui n'est pas comme tel intellectuel, qui ne relève pas de la connaissance, qui relève de l'union de l'âme de chacun avec la grâce de Dieu. Et cette union, eh bien, a lieu au cours de la méditation, mieux, de la contemplation de l'œuvre de Dieu dans les choses éphémères comme dans les choses éternelles. Cette première catéchèse que je présente est d'une certaine façon le cadre éternel de la révélation de Dieu tel qu'on peut la tirer de son agir historique. Il s'agit donc d'une réflexion sur la manière dont Dieu s'est révélé, sur la révélation proprement dit en tant qu'acte divin d'apparaître et de transmettre. Une révélation qui est historique, c'est-à-dire qui n'est pas toujours identique à travers le temps,
mais qui change, qui évolue et qui se cumule, de telle sorte que nous qui arrivons au terme de la révélation de l'Ancien Testament avec la foi en Jésus-Christ, eh bien nous récapitulons tout ce qui a eu lieu antérieurement à titre de préparation et de fondement de la foi achevée qui n'a son lieu qu'en Jésus, le Messie de Dieu. Quand on regarde de façon comme ça globale ce que nous appelons l'Ancienne Alliance, opposée à la Nouvelle Alliance, ces deux termes sont des termes qui viennent de Saint Paul dans la lettre aux Galates. Je sais bien qu'aujourd'hui, par respect et même plus par amitié pour le peuple juif ou les croyants juifs, maintenant on se plaît à dire la première alliance. Alors, l'autre, ce n'est qu'une seconde alliance. Saint Paul parlait d'ancienne et de nouvelle, pour marquer évidemment la rupture. Mais il n'y a pas de doute que entre la première alliance et l'alliance définitive dans le Christ, il n'y a pas seulement une rupture, il y a aussi une continuité. Et c'est cela qui, ici, nous intéresse. Quand on regarde donc comme ça globalement la première alliance que Dieu a réalisée avec le peuple hébreu et ses ancêtres, on voit qu'on peut définir à grands traits six principales sous-alliances, six actes principaux de Dieu. Et ce que nous appelons l'Ancienne Alliance, en fait, c'est la totalité de ces six actes-là. À l'intérieur même de ces six actes fondamentaux, on peut trouver encore des sous-alliances. Par exemple, avec Abraham, il y en a deux. C'est très clair. Avec d'autres encore, on peut y voir des degrés. Mais pour faire simple, on peut raisonnablement considérer que l'Ancienne Alliance s'est réalisée à travers six alliances principales, que sont l'alliance de la création comme telle, avec comme protagoniste biblique Adam, ensuite l'alliance du respect de la vie suite au déluge, avec comme protagoniste biblique Noé, puis l'alliance de la foi, père du peuple hébreu, avec comme protagoniste Abraham, puis une alliance de la loi, avec comme protagoniste principal Moïse, puis une alliance d'un médiateur, qui est roi et qui a pour protagoniste essentiel, et puis tous ses successeurs, mais disons que lui est le protagoniste exemplaire, qui est David. Et puis ensuite, il y a globalement une alliance sur le thème du jour de Dieu qui fait l'objet du grand courant prophétique depuis finalement l'époque de David jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la nouvelle alliance en Jésus, eh bien, comporte toutes ces alliances-ci. Elle récapitule, résume et ensuite transcende l'alliance de la création, l'alliance de la vie, l'alliance de la foi, l'alliance de la loi, l'alliance de la médiation royale et l'alliance du jour de Yahweh, ou Yahvé, ou Yahoo, on verra, c'est toutes ces questions plus tard. Et le Christ, évidemment, va reprendre tout cela en lui donnant une nouvelle dimension qui ne
sur laquelle nous ne nous arrêterons pas en sa catéchèse sur l'Ancien Testament. Ces alliances, normalement, s'inscrivent dans une chronologie. Globalement, la chronologie biblique, c'est celle que j'ai indiquée ici. J'ai mis que Adam se trouvait autour de 5000. Je vous rappelle qu'il y a à peine 2 jours, les Juifs ont fêté Rosh Hashanah, c'est-à-dire le début de l'année, 5780 du monde. Ça veut dire que si vous enlevez 2019, ils considèrent que Adam a été créé en 3761 et non pas, comme j'ai mis, 5000. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs computes. Donc le compute que suivent les Juifs, c'est le compute biblique du texte hébreu, n'est-ce pas ? Le texte hébreu qui s'appelle le texte massorétique. C'est la Bible des rabbins. C'est la Bible qui a été fixée au 1er siècle après Jésus-Christ au concile de Yavne et qui ensuite a été élaborée pendant plusieurs siècles de manière scripturaire. Cette Bible donc contient certains décomptes, mais il y a d'autres décomptes parce qu'il y avait d'autres Bibles. Donc, notamment, si vous suivez le décompte de la version grecque de la Bible, que l'on appelle la Septante, et qui, elle, a été traduite et mise sous forme éditoriale quelque chose comme 200 ans avant Jésus-Christ, eh bien, vous arrivez à peu près à 5000 ans pour Adam. Pourquoi ? Parce qu'il manque 1000 ans, d'une part, pour les 10 premiers patriarches, et ensuite, il manque un patriarche dans le texte massorétique juif. Donc, si vous rétablissez les 1000 ans nécessaire dans le texte massorétique et vous rajoutez le patriarche, un certain Canaan qui manque ici mais qui est cité dans la Septante, qui est cité dans Flavius Joseph, qui est cité dans les textes de Qumran et dans les différentes versions grecques, parce que la Septante elle-même contient plusieurs versions, et bien vous arrivez à 5400 et quelques. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici le décompte grec plutôt que le décompte massorétique, et vous verrez que c'est très important. De même, Noé est en 3000 à l'intérieur du décompte grec, parce que sinon, vous seriez à peine 1600, 1700 pour le décompte massorétique. En revanche, pour ce qui est d'Abraham, le décompte est facile, pour ce qui est de Moïse aussi, et pour ce qui est de David aussi, parce que la chronologie biblique, à un moment de son histoire, s'accroche avec la chronologie assyrienne. Et donc, nous connaissons la date exacte de construction du temple de Dieu, qui est 872, depuis 20 ans. Avant, c'était 968, mais on a ajouté 4 ans depuis la rectification d'un certain auteur. Et donc, si le temple est construit en 972, alors du coup David est en 1011, et donc du coup Moïse est en 1444, et donc du coup Abraham est en 1800, d'accord ? Globalement, c'est-à-dire il naît avant 1800, puisque vous savez que Abraham vit 180 ans, et donc évidemment ce sont des calculs, mais globalement c'est 1800 ou 19e siècle avant Jésus-Christ, qui constitue le cadre historique d'Abraham selon le décompte biblique. Voilà. Donc, l'histoire biblique s'étend du 5e millénaire jusqu'à l'avènement de Jésus, avec pour personnages emblématiques Adam en 5000, Noé en 3000, Abraham en 1800, Moïse en 1400 et David en 1000. Puis ensuite toute la série des prophètes pendant tous les 8 siècles qui vont suivre. Voilà ce que, la chronologie globale de la Bible. Le Seigneur donc va réaliser des alliances qui, par rapport à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, constitue l'ancienne alliance, mais en fait ce sont plusieurs alliances. Et une alliance,
c'est une relation de réciprocité entre un partenaire et un autre. Du coup, l'alliance, c'est la rencontre de deux mouvements. Il y a un mouvement, pourrait-on dire, de donation qui vient de Dieu et qui va rejoindre l'homme. Et il y a un mouvement de reddition, un mouvement de récupération et de redon qui est fait par l'homme. C'est la raison pour laquelle souvent, parfois c'est très clair, parfois c'est les moins, l'alliance de Dieu est scellé de deux signes. Un signe de la part de Dieu et un signe de la part de l'homme. Et c'est ce qui constitue un symbolon, c'est-à-dire le fait que deux parties se rencontrent et forment un tout infrangible. Et donc, Dieu va donner des signes de son propre mouvement de donation et il va la plupart du temps, demander de l'homme de faire un signe qui soit l'expression de sa propre réception et de son propre acte de reddition à l'égard du don de Dieu. Et ce signe-là sera généralement un signe rituel. Donc vous avez un signe de type théophanique ou miraculeux de la part de Dieu et vous avez un signe rituel de la part de l'homme pour que l'alliance soit véritablement scellée entre les deux partenaires. Alors si on s'arrête sur la première alliance, l'alliance de la création, le contenu proprement dit, évidemment, de cette alliance, c'est celui de la participation de l'homme à la création. De la création, nous-mêmes, nous l'avons avec l'histoire. À partir la phrase existe chez Isaïe, elle est reprise ensuite dans les écrits grecs. Nous disons qu'elle est ex nihilo, au sens où nous voulons dire par là que Dieu n'avait pas de matériaux avant de créer. Mais nous savons tous que la création ne sort pas de rien. La création, elle sort de Dieu. C'est Dieu lui-même qui, évidemment, s'offre. Et il s'offre à travers un médium qui est justement, non pas un matériau premier de son agir, mais la condition dans laquelle se réalise son agir. Et ici, évidemment, ce médium fondamental, c'est le monde, c'est l'univers. Dieu va sceller une alliance de donation de lui à l'égard de ses créatures à travers l'univers, un univers qui procède entièrement de lui, mais qui sert de médiation. Et cette médiation, c'est pour nous, eh bien, l'appel à la co-création. Et nous sommes co-créateurs avec, bien sûr, presque toutes les créatures, mais avec quand même une distinction de nature fondamentale par le travail et par la procréation. C'est-à-dire que nous poursuivons l'œuvre de création du monde en transmettant la vie et en transformant l'univers. En le transformant de telle sorte qu'il soit, eh bien, l'achèvement du dessein créateur de Dieu. Je rappelle que le terme de procréation, qui est galvaudé en français courant, est en fait un terme extrêmement noble, puisqu'il signifie créer au nom de quelqu'un, hein, comme proconsul ou procureur. Autrement dit, nous sommes procréateurs de la vie, c'est-à-dire nous sommes créateurs de la vie au nom de Dieu. Pas seulement grâce à Dieu ou au moyen de Dieu, mais nous sommes véritablement responsables en son nom de la transmission de la vie. Et on pourrait dire que nous sommes aussi pro-fabricants, pro-ouvriers de Dieu. C'est-à-dire que
l'engagement par lequel nous transformons le monde, nous le faisons au nom de Dieu. Au nom de Dieu, au nom de son dessein final. Ce dessein final, comment le connaît-on ? Eh bien, c'est là la voie de révélation primordiale que Dieu nous a donnée. Et c'est ce que, en français, moderne, parce que c'est un terme, ce terme-là n'a le sens que je lui donne maintenant qu'à partir du XVIIIe siècle. Mais enfin, c'est celui-là qui aujourd'hui désigne la réalité que nous comprenons aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la conscience ou l'intelligence. En vertu du fait que nous sommes des êtres intelligents, eh bien, nous percevons le dessein final de Dieu dont nous sommes les co-créateurs. Alors, l'intelligence humaine, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste essentiellement dans la capacité à réfléchir sur l'ordre des phénomènes du monde. La réflexion, c'est le fait de passer de la simple perception à des abstractions et ensuite à des instruments. Des instruments d'abord conceptuels et ensuite de véritables moyens d'action. Donc, en continu, dans le temps, nous ne cessons d'observer ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire de le réfléchir dans notre soi. Et de cette réflexion-là, nous tirons les potentialités de ce réel qui nous apparaît. Et en vertu des potentialités que nous y trouvons, eh bien, nous nous y engouffrons comme co-créateurs. Alors, les potentialités du réel, c'est ce qu'on appelle les finalités. Le monde n'est pas un ramassis de bric-à-brac, de choses qui ne témoignent d'aucune fin, mais au contraire. On voit sans cesse que les choses sont faites pour une fin déterminée. Et plus un homme est normalement saint, S-A-I-N, plus il est sensible à la finalité des choses. En revanche, l'état de dépression et l'état de inintelligence, c'est de ne plus trouver de sens à quoi que ce soit. Voilà. C'est-à-dire que les choses sont fermées sur elles-mêmes. Alors que l'état d'intelligence, l'état de pleine conscience, c'est de saisir comment un objet, comment une réalité, comment un vécu est porteur eh bien, d'un processus créateur. Et c'est dans cette mesure-là que nous-mêmes, nous participons à la création. Ça veut dire que notre capacité à créer n'est pas du coup ex nihilo. Elle part toujours d'un donné. Cela définit d'ailleurs la déontologie du travail humain. L'homme ne peut que faire deux choses. Ou bien parfaire le créé, ou bien corriger le créé. Mais il ne peut pas faire la création. Et évidemment, lorsque le travail humain s'imagine être créateur sans jamais trouver ses assises dans la création de Dieu, eh bien à ce moment-là, il devient un acte de destruction. Donc nous ne sommes créateurs que parce que nous sommes co-créateurs, c'est-à-dire parce que nous sommes réfléchissants sur les potentialités d'un donné. Nous ne sommes pas créateurs ex nihilo. Nous sommes comme les dieux de l'Antiquité, on a besoin d'un matériau pour pouvoir être créateur. On a besoin d'une donnée de base qui constitue le cadre de notre dynamisme. Donc Dieu se révèle fondamentalement d'abord, et bien tout simplement, dans ce qu'on appelle les phénomènes, c'est-à-dire dans la manière par laquelle le réel nous apparaît en conscience. C'est-à-dire d'abord dans la perception sensible extérieure et ensuite dans la réflexion intérieure sur ce même flux de perception qui définit le flux de la conscience. Donc Dieu parle dans le cœur de chacun de nous à travers
ce flux de conscience et cette réflexion continue sur le flux. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes comme si nous avions une radio dans la tête. On ne peut pas éteindre le perpétuel dialogue intérieur qu'il y a en nous sur le flux du vécu. C'est là la révélation la plus profonde, la plus directe de Dieu. Et alors, évidemment, Adam, dans la mesure où il répond à ce flux du phénomène, eh bien, il est invité à son tour à sceller une alliance par des signes. Alors, le signe de la création, c'est la création, c'est le phénomène, c'est le fait que les choses apparaissent. Et en Adam, en l'homme réfléchissant, ce qui est signe extérieur devient langage. Donc ici, c'est bien sûr la réponse fondamentale de l'homme à la révélation de Dieu. C'est qu'il est parlant. Il est parlant et il est conceptualisant. Ainsi, plus je suis capable d'énoncer le réel, plus en fait je suis capable de coller au dynamisme créateur du réel. Il y a une symbiose qui se fait entre langage et conscience du monde. Un petit enfant, les enfants n'arrêtent pas de parler, mais c'est normal. Parce qu'ils sont à l'âge où toute leur puissance dynamique consiste à passer de l'impression à la conceptualisation pour pouvoir justement entrer dans le flux révélationnel de la conscience. Le langage, donc, est, pourrait-on dire, le signe fondamental de la réponse d'Adam à l'alliance de Dieu qui se donne dans la conscience. Mais le langage est tellement continu et tellement coexistant à la conscience que Dieu va demander à l'homme un signe rituel, un signe fondamental qui marque qu'il est précisément co-créateur. Et ce signe, c'est étrangement le fait d'arrêter de travailler. C'est le Shabbat, c'est le repos. Parce que justement, dans le repos, l'homme prend conscience à la fois du fruit de son travail. Il marque une distance par rapport à l'entraînement créateur. Et à la fois, il reconnaît sa finitude. N'oublions pas que le repos est lié chez nous quand même à la fatigue. Et derrière la fatigue, il y a évidemment la très haute conscience de notre dépendance, du fait que nous sommes seulement co-créateurs. Mais le repos n'est pas simplement un repos de la fatigue, il est une fête. Et faire la fête est le propre de l'homme. Je ne sais pas dans quelle mesure l'éthologie animale a pu mettre en évidence que les animaux font la fête. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'homme fait la fête. Et c'est dans la mesure où il fait la fête, c'est-à-dire dans la mesure où il arrête de travailler, mais qu'il jouit du produit de son travail, et qu'il l'exprime d'ailleurs par une survalorisation symbolique, à travers un langage poétique, la musique, des danses, des objets symboliques, voilà, cette sur-symbolisation du réel, eh bien, l'homme est alors pleinement. On dit un homme qui ne peut pas faire la fête pour le travail qu'il fait ne jouit pas de sa propre dignité. Ça, c'est un point évidemment à la fois psychologique et social fondamental. Et cela relève de la structure même de la création. Alors le type de société qui naît bien sûr de la procréation, évidemment, c'est la famille, grâce au mariage et à tous les liens de parenté. Et dans la famille, eh bien, nous contemplons notre première alliance
divine. Tout ce qui va vers la destruction de la famille, évidemment, va directement vers une destruction de la relation d'alliance entre l'homme et Dieu créateur. Au nom d'ailleurs, justement, d'une logique de création prométhéenne, c'est-à-dire où on s'imagine que l'homme peut agir ex nihilo. Justement, par le fait que l'homme se prend pour Dieu. Ça, c'est donc la version philosophique, la version métaphysique et éternelle de la première alliance de Dieu avec l'humanité et qui correspond au cadre de la création, où c'est le phénomène du monde qui est le médium à travers lequel Dieu et l'homme se donnent l'un à l'autre, à travers deux signes, le signe du réel et le signe du langage et de la fête. Que vous savez comme moi, dans la Bible, bien sûr, ensuite vient l'histoire du péché, de la chute, de la dégradation progressive de l'humanité. Et Dieu, donc, dans le récit biblique, entreprend eh bien, de sceller une nouvelle alliance avec l'humanité, afin de normalement contrecarrer toutes les conséquences du péché. Et cette alliance a pour protagoniste Noé dans la Bible. Et elle a pour médium fondamental un événement catastrophique qui est le déluge. Le contenu que Dieu désire sceller ou receller avec l'humanité à travers l'épisode du déluge, c'est celui précisément de la non-violence. Paradoxalement, Dieu veut détruire l'humanité et veut détruire l'univers qui est perverti. Ça, c'est son premier acte. Mais après l'avoir fait, il s'en repent. Et c'est là, bien sûr, le sens fondamental de l'événement. Dieu décide, après le déluge, eh bien, de ne plus jamais répéter le déluge. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va accepter le mal dans le monde comme un mal nécessaire. Alors que avec le déluge, bien sûr, on s'imaginerait que Dieu dit « Bon, ben, c'est fini, et je ne veux plus du mal. » Mais dire « Je ne veux plus du mal », quelque part, c'est dire « Je ne veux plus de l'humanité. » Et donc, puisqu'il faut désormais assumer la déchéance de l'humanité, Dieu décide d'assumer bien l'existence de la violence. Alors je vous rappelle que dans l'épisode du déluge et surtout de l'alliance qui est conclue au terme du déluge, l'alliance est entre trois protagonistes. Elle est entre Dieu, l'homme et toutes les créatures. Et au cours de cette alliance, il réalise une institution du point de vue de la Bible qui est très importante et qui est la consommation de viande. C'est-à-dire que normalement, dans la Bible, l'Adam ne devait pas manger d'animaux. Et les animaux eux-mêmes ne devaient pas se dévorer entre eux. Ça veut dire que pour la Bible, l'état de violence universelle dans lequel se trouve la nature, puisque les animaux s'entre-dévorent et l'homme lui-même
tue les animaux et s'entretue. Cette violence universelle est l'objet d'une révélation. Dieu considère que cette violence est contraire à son intention. Alors nous, bien sûr, comme on est très marqué par la conception, pourrait-on dire, profane du monde, sinon scientifique, on a nous-mêmes intégré la violence comme une chose normale. Mais malheureusement, aussi à cause d'un certain défaut d'enseignement biblique et chrétien, on a considéré que c'était un état de fait. Mais dans la Bible, ce n'est pas du tout considéré comme un état de fait. Pour eux, pour la Bible, c'est un événement de déchéance que cette violence. Alors cette violence, d'où vient-elle? Évidemment, elle ne vient pas que des animaux, elle ne vient pas que de l'homme, elle vient d'abord de la chute des anges. Autrement dit, c'est l'ensemble du cosmos comme tel qui est travaillé par une violence universelle. Et cette violence universelle, ce n'est pas parce qu'elle est universelle qu'elle est normale. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Sans doute, nous n'arriverons pas, nous-mêmes, et d'une certaine façon Dieu non plus, n'arrivera pas pour l'instant à résorber cette violence qui se situe à tous les échelons de la réalité, depuis les atomes jusqu'à l'homme. Mais cette violence, nous devons la vivre comme un contenu théologal de foi, à savoir que nous, comme hommes, nous ne devons pas participer à cette violence universelle. Chacun à son niveau doit se battre de toutes ses forces pour ne pas y participer dans la mesure de ses moyens. C'est ça le sens fondamental de l'alliance noachique. Et l'alliance est donc passée entre l'homme, Dieu et les animaux, et Dieu alors offre à l'homme et à sa violence irrépressible, l'ensemble du règne animal comme aliment. Ça veut dire que nous n'avons droit de tuer les animaux que pour nous en nourrir, pour nous défendre, évidemment, de la violence cosmique, mais en aucune manière pour aucun autre motif. Et pour ce qui est de l'homme, nous n'avons droit de ne tuer aucun homme. Absolue. Donc Dieu crée une alliance qu'il passe avec les animaux. Si vous lisez bien les textes, vous voyez, il dit aux animaux, je vous donne à l'homme. Voilà. Et l'humanité doit se savoir redevable du règne animal de s'être donné, ou en tout cas d'être donné par Dieu, en victime de la violence universelle à l'homme. C'est sympa ici, il y a des thèmes très profonds qui lient l'homme et le règne animal. Je ne vais pas pousser plus loin, mais une autre fois j'y reviendrai, quand on s'arrêtera à Sommeil. Le contenu proprement dit de l'alliance passée entre Dieu et l'humanité à travers Noé, c'est celui de la non-violence, du pacifisme intégral, qui est signifié de deux manières. Alors, du côté de Dieu, il est signifié par le fait qu'il nous assure de sa présence au milieu des cataclysmes. L'arche, l'histoire de l'arche est emblématique de tout ce qui va se passer dans notre vie. C'est-à-dire qu'autour de nous, nous serons ballottés par des océans de violence. Mais qui a foi en Dieu, eh bien, bénéficiera toujours d'un sauvetage fondamental. Il sera sauvé. Alors, selon le bon plaisir de Dieu, on sera sauvé physiquement, en tout cas, selon son dessein fondamental, on sera sauvé du
mal moral. Évidemment, c'est le but. Mais la structure du réel, désormais mise en place par Dieu, c'est que le mal est assumé. Le mal fait partie de l'histoire. Le mal est même un moyen de l'histoire. Dieu va gérer le mal au nom de l'histoire. Parce que il devait choisir ou j'arrête le mal et j'arrête l'histoire, ou j'accepte qu'il y ait une histoire, mais alors ça veut dire que ce mal, il trouve sa place. À l'intérieur donc de la présence du mal dans l'histoire, il y a la promesse d'un sauvetage de chacun. Ça, c'est du côté de Dieu. Donc ça veut dire que nous sommes en régime de foi providentielle. Nous croyons dans la providence de Dieu qui utilise le mal irrépressible du cosmos. Et du point de vue de l'homme, le signe de l'alliance, alors il est vrai que Dieu donne aussi un autre signe, un signe miraculeux de sa présence au travers du cosmos, déchaîné dans le mal du monde, qui est l'arc-en-ciel. Mais notez que ce n'est pas proprement dit l'arc-en-ciel, le signe de l'agir de Dieu. C'est un signe pour que l'homme se rappelle la promesse qui lui a été faite. C'est qu'il lui rappelle cette alliance. C'est lui rappeler que si je mange des animaux et si je suis sauvé au milieu des cataclysmes, c'est en vertu de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a pardonné nos péchés. Et il nous a pardonné d'abord de tuer les animaux. Toutes les fois aujourd'hui je mange un animal, si je suis un vrai croyant biblique, eh bien je dois savoir que j'ai été absous de ce péché par Dieu. C'est ça que ça veut dire. Je ne peux pas manger un animal en me disant c'est très bien. Ça c'est païen. Ou c'est ignorant. Mais quand on a la foi reçu de la Bible, eh bien, on sait que ce que nous faisons est le fruit d'un pardon universel de Dieu. Et cet arc-en-ciel a pour fonction de nous rappeler la miséricorde dont nous sommes les bénéficiaires. Je reviendrai après, quand on s'arrêtera sur le sens exact de l'arc-en-ciel. Et du point de vue de l'homme, lui aussi, il a un signe, normalement, par lequel il doit signifier qu'il a accueilli cette alliance. C'est normalement, eh bien, la viande cachère, c'est-à-dire en tout cas la viande saignée. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas consommer du sang de la chair. Il doit distinguer la chair du sang en mémoire ou en rappel en conscience de ce qu'il n'est pas maître de la vie. Que la vie, que ce soit celle d'ailleurs des hommes ou que ce soit celle des animaux, n'est pas dans les mains de Dieu. C'est le sens, bien sûr, de la viande saignée. Sachez que la tradition juive attribue aussi à Noé le sacrifice d'Holocauste. Alors, quand je dis juif, ça ne veut pas dire que c'est biblique, hein, attention. Quand je dis juif, ça veut dire que c'est rabbin, hein, c'est après la Bible. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire simplement que ce sont des degrés d'interprétation. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à la fin, lorsque le déluge est terminé, lorsque Dieu a scellé cette alliance avec Noé et tout le règne animal, qu'il lui a commandé donc de saigner les viandes et qu'il lui a promis un signe dans le ciel, alors Noé réalise des holocaustes. Alors dans la Bible, on a le sentiment que Noé réalise des holocaustes parce qu'il a l'habitude de le faire. Voilà, on n'a pas un sentiment que ce soit lui qui institue l'holocauste. Mais dans la tradition rabbinique,
l'Holocauste est considéré comme une institution de Noé, de la Noaïque. Alors l'Holocauste, c'est quoi? C'est normalement de brûler l'ensemble des animaux, c'est-à-dire l'acte précisément de rendre l'ensemble du vivant à Dieu. Je vous rappelle aussi, ou je vous apprends, que dans la tradition rabbinique, donc la tradition juive, l'alliance que Dieu scelle avec Noé s'exprime en commandement. Alors, vous connaissez tous les 10 commandements donnés à Moïse, mais en fait, il y en a 7 qui sont donnés à Noé. Et parmi les 7 qui sont donnés à Noé, ben vous avez 6 qui sont exactement ceux qu'on a dans les 10 commandements de Moïse. Sauf que la formulation est un peu différente. Par exemple, un des commandements noachiques, c'est « Tu établiras des tribunaux ». C'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gères la violence. Ça veut dire. Quelqu'un ne commet pas une violence sans qu'il soit jugé. Et tout à l'heure. En revanche, le commandement le plus original de la série des 7, c'est le dernier commandement, c'est tu n'arracheras pas un membre à un animal. C'est-à-dire, tu ne feras pas souffrir un animal. Si tu le tues de telle sorte qu'il n'est pas mal. Tu le manges uniquement parce que c'est une nécessité. C'est très intéressant. Alors, ce sont des commandements qui font partie de la tradition rabbinique sur Noé. Alors, le type de société qui surgit de tout ça, évidemment, c'est la fraternité universelle. C'est la réconciliation avec tous au-delà de la violence. C'est la douceur universelle. Et une douceur pas seulement entre hommes, mais aussi avec toute la création. C'est la perspective d'un saint François d'Assise, de réconciliation avec l'ensemble des créatures. L'ensemble des créatures qui sont tout entières enveloppées dans une miséricorde divine qui est plus forte que le mal, qui est pourtant moteur de l'histoire et qui est assumé comme. Alors malheureusement, l'alliance noachique, selon le récit biblique, n'a pas beaucoup d'effet, en tout cas sur le cours de l'histoire. Le mal fait fortune, et l'humanité continue à errer et à dégénérer. Alors, d'après le récit biblique, Dieu décide de sceller une troisième alliance. Cette fois-ci, avec un protagoniste particulier qui est Abraham. Et le propre de l'alliance en question est d'être une alliance de foi. Pourquoi? D'abord parce que c'est la première fois que dans le texte biblique on parle de foi. Abraham crut et cela lui fut pour justice. Donc, c'est le cœur. Et en quoi croit-il? Eh bien, il croit à ce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire que, pour la première fois, la dynamique qui réside au cœur de cette alliance, c'est la non-visibilité de Dieu, ce qu'on appelle l'abscondité de Dieu. Dieu est invisible, Dieu est absent. Absconditus tu est Deus, phrase de Isaïe que l'on récitait autrefois. Dieu, tu es secret, Dieu, tu es caché. Et effectivement, avant Abraham dans la Bible, Dieu parle tranquillement avec Adam et ses descendants, avec Noé et ses descendants. Il
parle tranquillement. Il n'y a pas de distance. Alors qu'à partir d'Abraham, il y a un contexte nouveau, à savoir que Dieu apparaît. Il fait des apparitions. S'il fait des apparitions, c'est pourquoi ? C'est parce qu'en régime normal, on ne le voit plus. Donc, du point de vue biblique, le monde s'est obscurci. Depuis Adam jusqu'à Abraham, le phénomène, justement, du monde est devenu de plus en plus opaque. Et à notre époque, vous le savez bien, c'est ce que nous constatons. Nos aïeux avaient un rapport plus spontané au réel et à Dieu qui se laissait voir dans le réel. Mais plus les générations avancent, plus le réel est opaque. Loin de manifester Dieu, il le cache. Désormais, les cieux et la terre cachent Dieu, alors que, normalement, selon l'ordre de la création, les cieux et la terre manifestaient Dieu en vertu de ce qu'on appelle le symbolisme. Mais aujourd'hui, le monde est asymbolique. Je ne vois plus que les déserts, des espaces infinis, vides de sens. Voilà, c'est la conscience moderne. Eh bien, Abraham, il est déjà, à son époque, dans cet état, dans cette configuration-là, par rapport à ses aïeux. Dieu n'est plus visible. Et lorsque Dieu veut se rendre visible, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit déchirer le phénomène. Voilà, il y a un voile, il déchire ce... Et il apparaît. Voilà. Donc Abraham est le premier, en tout cas dans la narration biblique, à jouir d'apparition, parce que tout le monde n'a plus d'apparition, parce que tout le monde ne voit plus Dieu. Et si Dieu apparaît en apparition, ça veut dire aussi qu'il disparaît. Ça veut dire que celui qui a bénéficié d'une apparition, après, eh bien, retombe dans l'état d'abscondité du monde. Et donc, que doit-il faire ? Il doit tenir bon à travers l'obscurité du monde en ayant foi à ce qui lui a été confié au moment de l'apparition de la théophanie. Et donc nous entrons dans un nouveau régime de révélation où Dieu est en perpétuel mouvement alternatif de apparition-disparition. Et à un niveau subjectif, des moments de présence et des moments d'absence, des moments de consolation et des moments de désolation. Nous vivons une alternance continue de proximité et d'éloignement d'avec Dieu qui constitue le rythme de notre marche de foi. Parce que croire, c'est quoi ? C'est adhérer à ce que nous ne voyons pas, mais qui a été vu une fois. Qui a été vu par qui ? Soit par nous-mêmes, soit par d'autres. Et donc, effectivement, l'institution qui naît de ce régime de la foi, eh bien, c'est l'institution de l'héritage patrimonial. Voilà. Je ne crois pas seulement à moi-même, je ne crois pas seulement à ce que j'ai vu, je crois à ce qu'ont vu les témoins qui m'ont précédé. Et je tiens bon dans la foi alors que je ne vois rien. Donc, en tant que chrétien, je crois au témoignage de Paul, je crois au témoignage de Thérèse d'Avila, je crois au témoignage de François d'Assise, je crois au témoignage de Charbel, Mahlouf, je crois. Voilà, c'est-à-dire que la foi fonctionne parce qu'il y a des témoins. Ah oui, bien sûr. Ceux qui prétendent qu'on peut croire sans les miracles et sans des témoins sont des rigolos, ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est faux. L'Église repose tout entière sur la transmission patrimoniale du témoignage. Et le témoignage, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vu.
En revanche, nous ne voyons pas et nous marchons dans la foi en nous donnant nous-mêmes. Donc il y a un acte d'abandon de soi à Dieu. Et c'est évidemment tout cela que Abraham vit. Et donc il est le père des croyants, en ce sens-là, pas au sens où l'entend l'islam, mais au sens où vraiment, c'est lui qui, au moins du point de vue typologique dans la Bible, reçoit pour la première fois et réalise pour tous, la première fois, cette relation de confiance dans l'alternance entre vision et obscurité. Il est vrai que Dieu réalisera donc des signes au moment des alliances qu'il passe avec Abraham. Sur lesquelles nous nous arrêterons au moins sur une, quand on s'arrêtera sur Abraham. Il lui demande un signe rituel sur lequel je ne vais pas m'arrêter ici, et qui est la circoncision, parce que, en fait, la circoncision ne renvoie pas directement à la problématique que je viens de développer, qui est celle du régime de révélation de Dieu. Elle renvoie à des questions de ethnicité. À travers la circoncision, Dieu se choisit un peuple qu'il sépare des autres par ce signe-là. Alors effectivement, c'est là un point délicat, c'est que jusqu'ici, évidemment, Adam représentait tous les hommes. Noé, de même, est supposé représenter tous les hommes. C'est pour ça que j'ai tant insisté sur le contenu de l'alliance noachique. Parce que nous sommes concernés en tant que païens, c'est-à-dire en tant que non-hébreux, normalement, par l'alliance noachique. Mais avec Abraham, il y a ici tout d'un coup une concentration de Dieu sur une famille qui va devenir un peuple. Afin de réaliser quelque chose, un renouvellement de l'humanité en profondeur, et ce renouvellement, bien sûr, suppose une transformation de la capacité précisément à transmettre la vie et pas seulement à transmettre la foi. Et c'est pourquoi en parallèle au régime de la foi et au régime patrimonial du témoignage, il y a aussi quelque chose qui concerne la transmission biologique de la vie. Alors, le type de société qui naît, c'est celui, grosso modo, de la sédentarité. En principe, Abraham est un nomade ou un semi-nomade, encore que ça, c'est à discuter. Le point de départ d'Abraham n'était pas forcément nomadique. C'est un homme de la ville, hein. Les fameuses cités-états de la Mésopotamie. Néanmoins, comme il y a ici la référence à la terre, au domaine, à l'héritage, on peut dire qu'avec Abraham naît proprement le régime de sédentarité comme un régime de la révélation de Dieu. Parce que la transmission patrimoniale suppose la constitution d'une culture et donc d'une civilisation et donc d'une certaine sédentarité, même si c'est discutable parce que des peuples nomades peuvent transmettre leur héritage oralement pendant des siècles et des siècles. Néanmoins, en tout cas dans la Bible, ici il y a l'idée que en prenant possession de la terre, d'une terre où il se fixe, il réalise les conditions de transmission patrimoniale de la révélation telle que désormais Abraham et ses descendants vont la recevoir à travers des théophanies successives.
Alors, ce régime-là de théophanie successive, vous voyez, je l'ai dit, implique une réduction du champ d'action de Dieu sur une personne. Parce que Dieu n'apparaît pas à tous. Et ça a ici un désavantage. C'est-à-dire que il va falloir à un moment ou à un autre que ce qui est vécu par une personne puisse être transmis vraiment à d'autres, que d'autres puissent participer. Et c'est la raison d'être de l'alliance de la loi. C'est-à-dire que la loi, désormais, va être un artefact de la révélation de Dieu. Vous savez comme moi que Moïse reçoit la loi, en tout cas selon le récit biblique, dans un contexte théophanique très important. Moïse est ensuite, plus tard, dans la tradition rabbinique, considéré comme le prophète par excellence, celui qui a tout vu. Et la Bible présente de toute façon la transmission de la loi dans un contexte théophanique extrêmement puissant. Mais le terme de cette théophanie, c'est quoi? Eh bien, c'est un écrit, c'est un objet. Et ça, c'est une transformation inouïe de la relation avec Dieu. Désormais, il va y avoir un objet qui sert de médiation entre Dieu et les hommes. Selon la Bible, je dis bien selon la Bible, parce qu'on pourrait toujours en discuter selon l'histoire, mais selon la Bible, c'est la première fois. En tout cas, avant, Noé n'a pas de livre, Adam n'a pas de livre, Abraham n'a pas de livre. Dans la Bible, attention, parce que dans la tradition judaïque, si, ils ont tous des livres. Adam écrit des livres, Noé écrit des livres, Abraham écrit des livres, et même, sachez, tous des livres d'astronomie. Parce qu'ils ont des révélations sur le cours de l'histoire à travers les révolutions des astres. C'est-à-dire qu'ils sont à l'origine d'une théosophie astrologique. Mais dans la Bible, il n'y a pas de tout ça. Tout ça, c'est de la littérature post-biblique. Dans la Bible, l'artefact livre n'apparaît qu'avec Moïse. Et il n'y a pas de doute que le judaïsme, en grande partie, ou une petite partie, selon que vous êtes gentil ou méchant à leur égard, a une relation idolatrique au livre. C'est-à-dire le livre remplace Dieu, quasi. C'est-à-dire le livre, c'est un Dieu à portée de main. Et donc, ils vont avoir un attachement à cette écriture extrêmement important, avec, au cours de l'histoire, une surdétermination des signes, des lettres, du symbolisme attaché à l'écriture. Si aujourd'hui vous rencontrez le judaïsme, eh bien, rapidement, vous allez entrer dans tout un univers, pourrait-on dire, d'adoration cultuelle du livre. Vous êtes obligé. Alors que nous, comme chrétiens, évidemment, on s'est libérés de ça. Hein, c'est très important. Et donc, d'une certaine façon, Dieu, pour universaliser sa relation à tout le peuple choisi, et non pas simplement à Abraham, Isaac, Jacob et quelques élus, eh bien, se réifie. Il se fait chose, ce qui permet, effectivement, d'élever tout homme, tout membre du peuple de Dieu, à la vision de Dieu. C'est un phénomène, c'est un artefact. Mais voilà, c'est un phénomène et un artefact divin qui est désormais à la portée de tous. Alors avec la loi, évidemment, c'est donc la naissance du concept de parole de Dieu écrite, de la connaissance abstraite et collective
de Dieu. Désormais, tout le monde va pouvoir parler de Dieu. Ben oui, puisque tout le monde a le livre, ou le rouleau, ou tout le monde l'entend en synagogue, ou tout le monde peut en parler, du moment qu'il est expert. Donc c'est la naissance, c'est forcément d'une expertise, d'un intellectualisme de la foi, de la religion, qui n'existait absolument pas avant. La naissance d'une caste, de plusieurs castes, parce que aussi il n'y a pas que le livre, il y a aussi la liturgie, c'est-à-dire le sanctuaire. Je rappelle que dans le Pentateuque, dans le livre de Moïse, quand même la moitié du contenu porte sur le sanctuaire. Donc désormais il y a un temple, il y a une place sacerdotale avec des symboles qui ne sont pas très nombreux, c'est vrai, puisque le mosaïsme, par rapport aux civilisations environnantes, est un iconoclasme, c'est-à-dire un minimalisme quant à l'image. Et c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'ils sont iconoclastes par rapport aux images, je dirais, colorées, que l'on se veut se faire de Dieu, alors la seule image, ça va être l'écriture. Et j'ai envie de dire des Juifs qu'ils ont... se sont sans doute libérés de l'idolâtrie des images, mais ils ne se sont pas libérés de l'idolâtrie de l'écriture. Ils ont remplacé, je ne sais pas, une représentation animale de Dieu par des lettres sur du papier. Et ça peut aller jusque-là, jusqu'au culte des lettres sur le parchemin. Avec la loi naît un autre régime, désormais, de révélation, qui est l'impérativité. Ah oui, parce que si on a une loi, ben on doit l'appliquer. On est désormais en régime d'obligation. Que ce soit Adam, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, ils n'avaient aucune obligation, en tout cas d'après le récit biblique. Ils étaient libres, c'était des hommes libres qui spontanément répondaient à Dieu. Avec désormais Moïse, il y a donc tout un réseau d'impératifs, de préceptes à appliquer. Et avec la loi, il y a un autre point qui ressurgit et qui avait été éliminé, c'est la violence. Parce que la loi entraîne la discrimination. Il y a le permis et l'interdit. Il y a le pur et l'impur, il y a ceux du dedans et ceux du dehors. Et donc du coup, la loi réintroduit la violence à l'intérieur du régime de vie religieux du peuple, avec ses avantages et ses inconvénients. Je ne peux pas vous faire un dessin des inconvénients et des avantages de la coercition. Donc Dieu désormais se révèle, pose comme signe absolu l'écriture inspirée, parce que c'est une écriture inspirée, c'est pas n'importe quelle écriture, qui fait l'objet d'un culte de la part du judaïsme, qui est la quintessence d'un culte qui est célébré aussi dans le temple, avec des signes très réduits, afin d'être, pourrais-je dire, aussi pur et minimaliste que l'écriture, mais suffisamment imagé comme les écritures pour quand même avoir un espace de symbolisme. C'est pas comme nos dernières productions liturgiques, qui, elles, ont tellement parfois réduit l'espace symbolique qu'on se demande où on est. Il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus d'écriture. Non, c'est vrai que le mosaïsme est une réduction du champ symbolique, mais il demeure suffisamment prégnant à travers l'écriture et à travers le sanctuaire pour pouvoir être médiateur.
Et bien sûr, le type de société qui naît avec tout ça, c'est donc l'état de droit, avec une législation, une jurisprudence, avec des experts, avec des autorités, avec des castes, avec une hiérarchie, et un peuple qui est solidaire par coercition de la réalisation de l'impérativité de la loi. Eh bien, selon la Bible, comme vous le savez, même cela ne permet pas d'accomplir la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée par le Seigneur. Et donc, Dieu, suscité par son peuple, admet ou accepte, pardon, d'établir une nouvelle alliance, encore, avec son peuple. Qui est celle d'un chef, d'un homme qui a pour tâche d'être médiateur entre la loi et les hommes. Le chef, effectivement, a pour fonction d'aider à la réalisation de l'impérativité de la loi. C'est-à-dire que le peuple est tellement rebelle qu'on a beau avoir un arsenal de préceptes, un arsenal juridique pour que tout le monde obéisse, en fait, personne n'obéit. Donc, ce qu'on décide, c'est d'avoir une structure de plus pour que la loi puisse se réaliser. Et cette structure de plus, c'est tout simplement un roi qui possède un charisme divin, qui lui permet justement d'être doué d'un pouvoir exécutif au service de la loi et d'exercer une politique inspirée. Elle est inspirée, elle est elle-même entre deux sources d'inspiration que sont d'un côté le sacerdoce qui procède d'abord de l'impérativité de la loi, mais aussi, eh bien, de la liberté de l'esprit, au-delà de la loi, et qui se réalise chez les prophètes. À l'époque de l'institution royale, nous avons trois instances de l'action divine sur le peuple. Nous avons le sacerdoce, qui est pour l'instant dépositaire de la loi, Mosaïque. Nous avons le roi, dépositaire de l'action providentielle de Dieu, et puis nous avons le prophétisme comme tel, qui est dépositaire, oserais-je dire, de la liberté de Dieu. Et alors, bien sûr, le roi reçoit ce charisme dans le cas de la théocratie héréditaire, parce que c'est un don qui est fait à une personne. Et c'est la personne qui porte le charisme. Et la personne, ben, elle est homme, elle est Adam. Et si elle est Adam, ben, elle a des petits-enfants auxquels il transmet son patrimoine. Il est bien sûr intronisé par trois phénomènes conjoints. Il est intronisé, donc bien sûr, en vertu de l'hérédité. Il est intronisé toujours en même temps en vertu d'une confirmation prophétique. Il est aussi intronisé par le peuple parce qu'il est le chef politique d'un peuple, donc on ne devient pas roi contre son peuple, hein. On doit susciter l'adhésion de son peuple. L'histoire de David, ou même celle de Salomon, et puis ensuite, raconte les vicissitudes
du rapport du chef avec son peuple. Et n'oublions pas qu'il est loin de quoi ? De l'huile qui fait les prêtres. Donc, il reçoit une onction sacerdotale, et même plus précisément, grand sacerdotal. Donc, le roi, j'avais parlé de trois institutions de l'action divine à ce moment-là, mais lui-même est le concentré de ces trois institutions. Parce que il est loin de l'onction du grand prêtre, il est porté par une vérification prophétique et il s'assoit sur un consensus politique. Et c'est cela qui lui permet normalement de pouvoir réaliser une politique inspirée qui permet au peuple en question de obéir à la loi de Dieu. Alors, ça aura bien sûr, du point de vue civilisationnel, des conséquences importantes, à savoir le centralisme. Centralisme politique et centralisme religieux. Déjà, Moïse, en tout cas d'après la version biblique, le mosaïsme impliquait in fine le centralisme religieux. J'ai bien dit in fine parce que dans les discours de Moïse, le lieu où doit être posé le sanctuaire n'est pas défini. Donc le sanctuaire est en suspens pendant tout le processus mosaïque. Il faut attendre la providence divine pour savoir où sera le sanctuaire de Dieu. Donc il y a le sanctuaire qu'a construit Moïse, d'accord, c'est la tente du rendez-vous, mais justement on se dit qu'une tente, et qu'une tente c'est fait pour quoi? C'est fait pour se promener. Et donc il n'est toujours pas décidé où sera le lieu choisi par Dieu. Et c'est avec David que le lieu est choisi, c'est-à-dire que c'est avec le centralisme politique que naît concrètement le centralisme religieux. Mais les rois eux-mêmes ne se rendent pas dignes du charisme qui les définit. Et c'est pourquoi tous les siècles qui vont suivre vont en fait être des siècles de malheur, d'échecs et même de désastre. Et c'est pourquoi le courant prophétique alors va apparaître, pourrait-on dire, comme une ultime alliance de Dieu avec son peuple. Puisque l'alliance de la foi abrahamique échoue, l'alliance de la foi de la loi mosaïque échoue, puisque l'alliance davidique royale échoue, la seule chose qui reste, c'est la liberté prophétique de Dieu, qui continue à parler à son peuple, cette fois-ci de manière justement prophétique, c'est-à-dire de manière charismatique, puisque j'ai parlé de l'échec de la loi et du roi, mais on pourrait dire qu'il y a aussi échec de la conscience, tout simplement. Donc c'est depuis Adam jusqu'à David qu'on va d'échec en échec. Et donc l'Esprit Saint, ou Dieu inspirant les prophètes, ne cesse d'intervenir. Et à la fin, eh bien, le sujet proprement dit de sa révélation, c'est quoi? C'est que tout simplement, c'est lui-même qui va intervenir. Il n'y aura plus d'autre médiation que lui-même. Et c'est donc le grand sujet, à la fois de ce que les prophètes appellent le jour de Yehovah, ou de Yahoo, ou de Yahvé, du fameux tétragramme. Donc c'est le jour de Dieu, proprement dit, le jour de Dieu, qui n'est rien d'autre que le jour où Dieu lui-même se fait alliance entre l'homme et Dieu. C'est ça que ça veut dire.
et à la fois dans un langage qui n'est pas encore vraiment biblique, sauf dans les psaumes, mais qui le devient dans le contexte post-biblique, et qui est le jour du Messie, c'est-à-dire que de celui qui est vraiment loin et qui vraiment va pouvoir conduire le peuple à la sainte obéissance de la volonté divine. Et donc entre Yahweh qui intervient et ce Messie qui est suscité pour enfin en finir avec la désobéissance, les prophètes vont donc être appelés à dessiner les contours de la figure du Messie et des derniers temps. Alors, vous savez comme moi que la figure du Messie telle qu'elle apparaît à travers l'ensemble de l'activité prophétique est assez bigarrée. Et donc, elle laisse beaucoup d'ambiguïté. Le Messie est normalement un roi. Il est normalement un descendant de David. Jusque-là, c'est facile. Il est un pasteur et qui rassemble son troupeau, donc chez Ézéchiel, chez Jérémie. Il est normalement un chef de guerre. Mais en même temps, voilà que les prophètes annoncent qu'il est pacifique. Bah oui, forcément, parce que l'alliance de Dieu, c'est la non-violence. Alors, comment voulez-vous que ça marche ? Et puis en même temps, il est souffrant. Ah, bah oui, puisque l'alliance de Dieu, c'est l'expiation des péchés dans le sacerdoce. J'entends dans le rituel sacerdotal, c'est ça que ça veut dire, et même déjà chez Noé. Et puis ensuite, il est céleste. Il vient du ciel avec Daniel. Et sinon même avant, un peu avec Ézéchiel. Et donc, toutes ces figures, roi, fils de David, pasteur du peuple, chef de guerre, mais en même temps pacifiste, souffrant, céleste, tout cela, tout ce panneau, ce panel de caractéristiques du Messie reste en suspens pendant près de 7 siècles, et bien sûr ne se réalise pour nous, et bien dans la personne de Jésus-Christ que nous avons reconnu comme Dieu incarné et Dieu ayant souffert sa passion en rédemption de nos péchés. Du point de vue de la période prophétique, évidemment, les signes qui sont demandés sont des signes de conversion, et c'est l'histoire elle-même qui devient le symbole de cette conversion et de cette impuissance humaine à pouvoir répondre à l'appel de Dieu à travers le désastre de l'exil et ensuite malgré le retour de l'occupation étrangère et de le manque d'autonomie politique. Donc le Seigneur apparaît dans un contexte où, évidemment, on est arrivé au bout du rouleau. Il n'y a absolument plus d'autre solution que celle où Dieu lui-même intervient et réalise toutes les figures antérieures. Donc le Christ, en s'incarnant et en souffrant, et ensuite en ressuscitant, et en instituant le royaume pas seulement au-delà, mais le règne messianique de l'Esprit, bien sûr, récapitule à son tour toutes ses alliances antérieures. C'est-à-dire qu'il va renouveler en profondeur la conscience humaine et la question de la phénoménalité du monde. Il va renouveler en profondeur la question du mal intrinsèque à l'histoire et de la vocation absolue à la non-violence. Il va renouveler en profondeur le régime de la foi avec l'alternance pédagogique de l'apparition et de la disparition et
la transmission patrimoniale du témoignage. Il va renouveler en profondeur le sacerdoce, à tel point que nous considérons qu'il y a un nouveau sacerdoce qui est établi, et une nouvelle loi, la loi de la charité, et un sacerdoce nouveau qui est celle de l'Eucharistie. Et aussi la figure royale, dans la mesure où aussi l'Église, elle, se reconnaîtra investie de poursuivre la figure royale dans l'histoire, même si actuellement nous sommes dans une période où cette figure est absente. En revanche, évidemment, le jour de Yéhovah, c'est tout simplement le régime de la Nouvelle Alliance. Nous sommes avec Immanuel, Dieu avec nous, et tout ce que nous faisons, nous ne le faisons que par lui. Allez dans la paix du Christ. Voilà, c'est un petit cadre, une petite intro. Vivement la suite. Mais si on arrive plus tard, on apprendra les prochaines présentations. C'est Babel. Qu'est-ce que traduit Babel dans entre nous? Il n'y a pas d'alliance à Babel. Non, non, justement, mais quel est le problème que traduit Babel? Parce qu'on voit bien le mal qui apparaît. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil et la violence qui vient conclure la période noachique. Il n'y a pas d'alliance, Dieu ne fait rien à Babel. Il laisse Babel s'écrouler. Mais c'est quand même Dieu qui a divisé les gens. Oui, mais il ne fait pas d'alliance sur la base. Alors qu'il fait une alliance sur la base du déluge. Mais il ne fait pas une alliance sur la base de l'événement de Babel. Babel, c'est le terme de la période noachique. De la période qui va de Noé à Abraham. Mais c'est un terme comme le suivi d'une décadence. On s'arrêtera sur Babel, on traitera où est Babel. Merci beaucoup.